Je vais vous présenter le métier de la vente. Dans cette vidéo, j'aborderai trois grands thèmes du métier, qui sont le conseil client, le passage en caisse et la réserve, afin que vous vous rendiez mieux compte en quoi consiste cette profession. Bon visionnage! J'ai assisté à un conseil client. Ici, la dame avec le panier rouge voulait faire un panier garni. Mais, avant cela, la vendeuse lui a demandé à qui il était destiné afin de cibler les choix des produits à mettre à l'intérieur, en fonction du sexe, de l'âge de la personne et d'autres facteurs. Dans son cas, c'était pour une amie d'une cinquantaine d'années, mais elle avait déjà des idées en tête, comme mettre des produits du terroir et de la région car son amie n'habitait pas le Morvan, ce qui lui permettrait de découvrir de nouvelles saveurs. La vendeuse lui présente les produits pour monter son panier garni. Au fur et à mesure, la cliente choisit les produits et les met dans son panier. À la fin de tous ses choix, la vendeuse lui demande quel est son budget qui, dans son cas, était de 50 euros. Elle a donc pu rajouter une bouteille de vin. Ensuite, elle est passée en caisse pour regarder le montant global de son panier, si cela lui convenait et si elle pouvait régler celui-ci. Après avoir payé, la vendeuse lui a gentiment emballé son panier garni et la cliente est repartie avec le sourire, ce qui est le plus important aux yeux de la vendeuse. Ici, c'est un passage en caisse. La vendeuse scanne les articles. Elle demande si la cliente possède la carte de fidélité. C'était son cas. Elle l'enregistre dans son logiciel. Le moyen de paiement étant en espèces, elle lui doit de la monnaie et avec le ticket de caisse. Cette étape se déroule avec sympathie et bonne humeur. Ici, c'est la réserve. J'ai eu le privilège d'y accéder. C'est immense. Tout le stock du magasin est ici. Nous devons être équipés quand nous y sommes avec des chaussures de sécurité. Tout est rangé par rayon pour que tout le monde s'y retrouve. Le chariot élévateur permet de descendre les palettes. Un grand merci à Agri Sud-Est Autun qui m'a accueilli pour réaliser ce projet.